Bonjour, je m'appelle Modou Fata Touré, je suis de Saint-Cirque. Aujourd'hui, nous sommes à l'Institut français de Dakar. Je suis là pour vous montrer comment manipuler les objets quotidiens que vous avez chez vous. Je ne vais pas vous montrer tout, mais je vais vous montrer quelques. Big up, c'est parti. Avec cet exercice, tu ne verras plus jamais ton balai de la même manière. Attention, quelques conseils de sécurité. Installe-toi dans une pièce assez grande où tu ne risques pas de casser le vase préféré de mamie. Mieux encore, dans un jardin ou sur une terrasse. Pose le balai sur la paume de ta main à plat. Fixe ton regard sur le bout du balai, très important pour garder l'équilibre. Respire, relax max. Tu peux ensuite faire varier les plaisirs en le faisant sur le doigt. Le pied. Le talon. Et même, pourquoi pas, sur le front. Toujours en fixant bien le haut du balai. Croise les bras l'un sur l'autre. Fais tourner le balai d'une main à l'autre en restant bien fluide dans le mouvement. Voilà un exercice tout à fait écolo. Va chercher tous les sachets plastiques qui traînent chez toi et recycle-les en super matériel de jonglage. Un conseil, évite de le faire un jour devant. Prends un coin du sachet et enlève tout l'air en pressant vers le haut. Essaye de le poser sur ta main. Raté! Tu peux, là aussi, essayer de le faire tenir sur la tête. Et après, laisse-toi porter par ton imagination. Avec plusieurs sachets, tu peux, par exemple, jongler. Attrape la corde avec les deux mains en laissant un espace de 30 cm. Lance la main droite vers la main gauche. Retire la main gauche et fais-la passer par-dessus l'autre. Le corps est fluide et suit le mouvement. Ce jeu, c'est sûr que tu le connais déjà. D'habitude, tu lances la bouteille au sol, mais maintenant, tu vas le faire sur la tête, le pied, le talon.
Fais rouler la balle d'un bras à l'autre, le long des bras et de la poitrine. La balle est posée sur le dos de la main. Pour faire glisser la balle, tu penches ton coude vers le bas. La balle roule jusqu'au pli du coude et tu viens la récupérer avec ta deuxième main, toujours sur le dos des doigts. Fais rouler la balle de l'avant-bras droit jusqu'au dos de la main gauche. La balle passe sur les doigts et arrive sur la paume. Puis, elle repart sur l'avant-bras jusqu'au niveau du coude. Et la main reprend à nouveau le mouvement. Et voilà, c'est fini. Merci, merci, et à dans 15 jours avec une nouvelle vidéo de Zen Cirque à l'Institut français de Dakar.